Bonsoir, aujourd'hui je te fais une recette rapide mais tout aussi délicieuse. Hein. Il s'agit de ma soupe au mâchoiron avec des ingrédients simples et voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, à tout à l'heure pour la liste des ingrédients. Pour faire ma soupe au mâchoiron, il me faut des oignons, du poisson mâchoiron. Il est très sérieux, mon poisson. Et très beau également. Il me faut des tomates, du piment, de la tomate concentrée et pour terminer, un bon cube d'assaisonnement. Allez, à la préparation. On découpe les poissons mâchoirons que j'ai déjà nettoyés et lavés. On va les découper en deux. Voilà, on passe au deuxième poisson. Viens là, mon beau. Et c'est fait. On allume le feu. J'ajoute directement mon poisson à l'eau. Comme ça. Et ensuite, j'ajoute mes légumes. Je commence par mes oignons. Hop là. Tomate, bon piment, lavez rapidement et hop, 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 hop. Je vais rapidement saler et ajouter du poivre. Voilà, c'est bon. Je recouvre et je laisse cuire pendant 10 minutes. Je crois que mes légumes sont cuits. Alors, voilà, c'est bon. Je vais les retirer. Il faut faire attention à ne pas casser le poisson. Voilà, c'est bon. Je les fais passer au mixeur, mais tout d'abord, je rajoute ma tomate pâte. Voilà, je crois que ça, c'est l'équivalent d'une cuillerée à soupe. Ok, direction le mixeur. Ok, c'est bon. Je vais rajouter ma purée de légumes à ma sauce. On y va. Voilà, comme ça. On remue juste un tout petit peu. On fait attention à ne pas casser le poisson. Voilà, comme ça. Très bien. Terminé, on ajoute le cube d'assaisonnement. La touche finale qui va relever le goût de notre soupe. C'est bon. On laisse mijoter pendant 5 minutes et on passe au dressage. Pour faire ma soupe de mâchoiron pour 4 personnes, il me faut 1 kg de poisson mâchoiron, 2 oignons, 3 tomates, une cuillerée à soupe de tomates concentrées, 4 piments rouges, un cube d'assaisonnement, du sel et du poivre. Vous voulez faire disparaître l'odeur de votre tomate concentrée plus rapidement? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de la diluer dans de l'eau avant de l'ajouter à votre préparation. Voilà ma soupe au mâchoiron. Vous pouvez l'accompagner de d'attiéké huile rouge, d'atoukou si vous voulez, d'attiéké blanc ou du riz. Attends que je goûte un tout petit peu. En plus, c'est très bon. Mais attention aux arêtes. Attention aux arêtes. Je vous souhaite un très bon appétit et rendez-vous demain pour une autre recette.